tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les produits terminés. Je suis encore enrhumée, hein, on dit merci le temps de chien. Enfin bon, bref. Mon sac est relativement rempli quand même. On va voir ça tout de suite ensemble. Et je vais vous dire si je rachète, si je rachète pas. Pourquoi? Pourquoi pas? Et voilà. Ça va être compliqué, j'ai l'impression. Désolée pour la luminosité, mais j'ai l'impression que ça va quand même. J'ai pas mis ma ring light et j'ai l'impression que ça va. Donc merci le nouvel appareil photo magique. Alors, j'ai terminé un nettoyant pour les mains. Je sais pas s'il va me faire le focus du coup. Faut que j'appuie. Ah non, c'est bon, ça le fait. Donc savon liquide, les miels de chez Lidl, marque Sienne. Et enfin voilà, je l'ai terminé. Vous savez que je les adore ceux-ci. Mais voilà, j'arrête de les utiliser maintenant. Je finis mes stocks. Il y a du PEG dedans, donc je souhaite plus des... Voilà. J'aimerais enlever les perturbateurs endocriniens de ma consommation. Donc je rachète plus. Voilà. Gel douche de chez Aldi, c'est la marque Biocura. Donc là c'est le pomme poire, donc shampoing à bain douche pour les enfants, mais il y a du PEG à l'intérieur. Donc je ne suis pas fan. Et celui-ci c'est mon homme qui l'a utilisé parce que Bibou n'aime pas le pomme poire, il préfère celui à la fraise. Fraise framboise je crois que c'est, enfin au mûr. Enfin, il préfère les fruits rouges, quoi. Il est pas... Et donc, mais voilà, il adore. Donc, il veut l'utiliser quoi qu'il arrive. Donc, on lui achète celui à la... Je vais vous montrer, je l'ai là. Framboise groseille. Voilà, il préfère le fruit rouge. Celui-ci, on rachète à chaque fois parce que, ben voilà, il adore celui-ci. Et moi, ça m'emmerde parce que, ben, il y a du PEG 7. Il y a du PEG 200. Voilà. J'ai pas mon téléphone, là. Je peux pas vous montrer via... Yuka, mais voilà, la compo n'est pas comme je le souhaite. Donc à mon grand dame, son père lui rachète, voilà. Et moi je préférais le laver avec autre chose. Doudou a fini un shampoing Biocura, toujours de chez Aldi, donc à l'extrait de pomme, cheveux normaux à sec, mais bon il est pas fan, lui il a une dermite. Ça s'appelle, ouais, il a une dermite, donc quoi qu'il fasse, quoi qu'il utilise, de toute manière, il a la peau qui pèle, le cuir chevelu qui pèle, enfin voilà. Et il n'y a rien à faire, et même avec des produits anti-pelliculaires, enfin voilà, il a une dermite. C'est pas des pellicules, c'est sa peau qui s'effrite, donc voilà. Mais il m'en a rien, pas vraiment rien dit, et moi je n'utilise plus ces shampoings. Parce qu'il y a plein de sulfates, il y a du PEG. Enfin, voilà. Donc moi j'essaye de ne pas racheter, mais bon quand c'est lui qui fait les courses, c'est pas... Donc normalement je ne rachète pas. Ensuite, on a terminé un dentifrice, donc c'est le Colgate Total. Et celui-ci, que je regarde la compo... Je crois que celui-ci, la compo est plutôt bonne. Enfin... Il y a du sulfate. C'est mon téléphone ça. Mais voilà, celui-ci on l'a quand même bien utilisé. Et vu qu'il n'y a pas de PEG dedans, j'ai tendance à le racheter. Et je crois que j'en ai un... Je sais pas si c'est... J'en ai pas un deuxième là-dedans. Non. Je crois que j'en ai peut-être encore un en stock. Mais celui-ci, oui, on a tendance à le racheter. Parce que bah voilà, il n'y a pas de PEG à l'intérieur. Car oui, même dans le dentifrice, il y a du PEG. Merci les grosses chaînes industrielles de nous pourrir la vie. On jette un facial masque peel-off charcoal. Donc ça c'est de chez Action. Et il est noir, c'est une tanasse à enlever et ça n'enlève pas forcément, ça marche pas. Plus que ça, ça met beaucoup de temps à sécher. Donc mon homme l'utilisait pour... son nez, voilà, mais non, il aime pas, donc non, on ne rachètera pas. J'ai terminé savon au miel, j'ai terminé aussi celui à la
Voilà, au fruit rouge, c'était à la fraise. Mais je sais pas où j'ai mis l'emballage. Mais voilà, c'est ma soeur qui me les avait ramenés de Grèce. Et j'ai beaucoup aimé celui-ci au miel. Moins celui à la fraise parce qu'il sentait pas plus que ça que celui-ci. Voilà, il embaumait toute la salle de bain et voilà. Il sentait vraiment bon celui-ci. Je sais pas trop au niveau compo ce que ça dit, mais bon, je vois qu'il n'y a pas de PEG, donc voilà, moi ça me va. Mais bon, je pourrais pas me les reproduire, hein, ça vient de Grèce, mais j'avais beaucoup aimé utiliser celui-ci au miel. Donc si jamais vous tombez là-dessus, vas-y, focus, focus. Ah bah je l'ai mis à l'envers. Non, vous le voyez à l'envers. Je suis en train de me dire. Non? Ah bah c'est peut-être normal, c'est mon retour. Je suis peut-être. Enfin bon bref. Je verrai au montage. S'il faut que je mette la. Dans l'autre sens. Enfin bon. Donc au miel, oui, à la fraise, j'étais moins fan. Mais bon, voilà, je l'ai fini tout autant. Mais il s'est même fini beaucoup plus rapidement que celui au miel. Ça, je l'ai beaucoup aimé. Terminé. Les cotons carrés de chez Intermarché. C'est des pommettes qui sont très bien ceux-ci. Mais voilà, je les utilise plus que pour mon fils, pour nettoyer son visage de temps en temps. Mais voilà. Donc là, j'ai plus de backup, je crois. Ou peut-être un. Donc, je serais amenée à en racheter, mais vraiment, c'est vraiment juste pour mon fils, quoi. Moi, j'utilise plus du tout. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice de la marque Lavera. Donc, celui-ci, en français, c'est où? Ah non, c'est pas un dentifrice. C'est pas un dentifrice, c'est ma crème de jour que j'ai terminée. Mais lol, mais parce que j'ai des dentifrices qui ressemblent à ça. Ben, pas là, mais... Mais voilà, ça m'est arrivé d'utiliser des dentifrices de cette marque-là. Mais non, c'est une crème hydratante au jojoba bio et à l'aloe vera bio. Apporte une hydratation durable pour une sensation de douceur naturelle de la peau. J'ai pas senti ma peau plus hydratée que ça. Bon, bah, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout du tube, mais j'ai pas envie de l'ouvrir ou quoi que ce soit. J'ai pas forcément aimé l'odeur de la crème non plus. Non, je ne rachèterai pas cette crème. Voilà, qui est bio, vegan, voilà. Mais non. Dommage. Je cherche encore une crème hydratante, vraiment hydratante. Voilà. Donc non. Ensuite, j'ai terminé un shampoing Sobiétique Nature. Non, Sobiétique. De la marque Léa Nature. Celui-ci, c'est au guarana et aux huiles essentielles de Niaouli. C'est pour les cheveux normaux et fragilisés. Donc c'est bio, sans sulfate, sans parabène, sans silicone. Et c'est plutôt bon en compo via Yuka, il me semble, que j'avais testé. Et le tube est en plastique végétal. Donc voilà. Mais j'ai pas trouvé que c'est des cheveux de ouf. Hein, forcément. Mais... Non, je rachèterai pas celui-ci, j'ai pas forcément aimé l'odeur non plus. Et. Non, je n'utiliserai pas celui-ci. Voilà. Ça fonctionne pas forcément sur mes cheveux fins. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un après-shampoing Sublime Kératine de chez Coslis. Donc, encore du bio. Cheveux fragilisés et indisciplinés. Restructure, démêle et lisse, je suis pas d'accord. J'arrivais pas à me démêler les cheveux avec ça. Par contre, je sais pas ce qu'il sent. C'est une odeur qui me rappelle mon enfance, mais je vois pas ce que ça peut être. Et en ce moment, j'utilise mon nouveau shampoing sec. Et il a la même odeur et je sais pas ce que c'est. Mais j'ai bien aimé l'odeur, mais il fonctionne pas. Non, il me démêle pas du tout les cheveux. Ça a été une tanasse à utiliser. J'ai mis du temps à l'utiliser parce que pas forcément il me démêlait pas les cheveux. Donc j'avais pas envie de l'utiliser. Donc non, je ne rachèterai pas. Mais bon, c'est cruelty free et vegan. Mais enfin voilà quoi. 250 ml et ça a été dur. Parce que bah j'ai les cheveux toujours aussi... emmêlé, donc non.
Dommage. Ensuite, j'ai terminé un après-shampoing, une minute, le petit Marseillais. Nourrir et répare, donc nutrition au lait de karité et au miel pour les cheveux secs et cassants. Là, la compo doit être dégueulasse, voilà. Là, ça démêle et tout, ce que vous voulez, mais enfin voilà, je veux pas de produits de... Oh, y a pas de parabènes, ouais, mais bon, à mon avis, c'est plein de merde quand même, donc... Non, je pense pas que je rachèterai. Faudrait que je... Je vais peut-être aller chercher mon téléphone quand même pour regarder les compos dans le dos. Fit. Oh, quoique, le shampoing bain à la framboise, là. C'est le Milden. Ah oui, c'est le Milden, c'est ça, non? Ça fait plus Milden. Je vais le repasser. Donc oui, celui-ci, il est bon sur Yuka quand même. Donc, je sais plus pourquoi... Il est bon, donc finalement ils ont peut-être amélioré la compo depuis, je sais pas, mais bon, ouais, vous voyez, les ça c'est médiocre, voilà, donc non. Ça c'est de la merde aussi. Le saut bioéthique, celui-ci, il est excellent, mais voilà, ça ne fonctionne pas chez moi. Mes cheveux, non, ils lui disent fuck. Celui-ci aussi, il est excellent, mais ça fait pas le job chez moi. Le dentifrice. Oh bah non, il est médiocre celui-ci, donc non, c'est pas celui-là que je prends. Qui a pas de peg, ou je pensais qu'il était bien, mais en fait il est pourri. Ah ouais, donc non. Donc non, je rachèterai pas. Pourtant je vois pas le peg. Parce que je passe des temps, du temps dans le magasin à regarder les étiquettes pour pas qu'il y ait de peg dans mes dentifrices. Mais non, vous voyez, c'est de la merde, donc le Colgate Total, je rachèterai pas. La crème, j'ai pas le code barre, du coup je peux pas regarder. C'est ça que je voulais regarder. Le petit Marseillais. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, c'est médiocre. Donc non. Non. Ensuite, j'ai terminé les petites perles, là, les petites billes là, que vous mettez dans la machine à laver. Là. Ça vient de chez Action et j'aime bien en mettre. C'est de chez Freshness. Donc j'utilise toutes les couleurs, je préfère le bleu, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Donc j'aime bien utiliser, ouais, j'aime bien. Ouais. Utiliser ce genre de petits trucs de temps en temps, pas pour toutes les lessives clairement, sinon ça part vite, mais voilà, j'aime bien. De temps en temps utiliser ça, et bah, ça je rachète régulièrement à Action. Ça coûte quand même moins cher que les Lénor. Mais bon, c'est de la merde, hein. C'est de la merde. Médiocre. J'ai jamais pensé à regarder les copeaux là-dedans. Vu que je me dis, j'en mets pas beaucoup. Granulé, nanana. Et ils sont où les ingrédients là-dedans? Parce que je ne vois pas d'ingrédients. Là, en français, du moins, il n'y a pas. Mais bon, c'est de la merde. Hein. Ensuite, j'ai terminé une eau micellaire sobiotique, hydratante, pur jus d'aloe vera bio, visage et yeux, tout type de peau. Bah, j'ai pas aimé, j'aime pas l'odeur, ça me démaquille pas suffisamment. Enfin, voilà. Donc, je suis déçue, parce que j'aimerais bien trouver une eau micellaire qui fonctionne et qui soit bonne pour moi. Celle-ci, c'est bon, sur Yuka, mais ben voilà, ça fait pas le job pour moi, donc je suis dégoûtée.
Ensuite, encore un shampoing cheveux souples à la verveine, huile essentielle de citron, cheveux normaux à tendance grasse. Celui-ci, je l'ai mieux aimé. Donc c'est toujours chez Bioéthique, donc là, la compo doit être bonne. Oui, la compo est bonne. C'est pas excellent, mais c'est bon. Je l'ai mieux aimé, celui-ci. J'aurais peut-être tendance à le racheter. J'aime mieux l'odeur de la verveine et du citron. Et là, vous avez le, voilà, le contenant qui est en plastique végétal. Ça, c'est un peu moins cool, mais bon. Mais ouais. Je pense que je pourrais racheter. Je sais même plus ce que j'utilise en ce moment. J'alterne entre un autre. Je sais plus quelle marque c'est. J'ai voulu tester autre chose à Biocop. Bon, je verrai bien. Mais bon, ceux-ci, vous les trouvez dans les Leclerc. Je trouve de la Marceau Biotique à Inter aussi. Mais j'ai pas une grande gamme de Fifou à Inter. Donc moi, je les achète essentiellement à Leclerc. Mais je vais essayer dans. Celui-ci, je peux être amenée à le racheter. J'ai bien aimé quand même celui-ci. Mais il faut que j'arrive à trouver un après-shampoing qui fonctionne. Parce que j'ai beaucoup de mal. Mais bon. Voilà pour celui-ci. Ah, et j'ai terminé. Bon, ça va. Ça a été relativement... ouais, quoi que je suis déjà à 17 minutes. Hein. Mais bon. Pour vous dire que voilà, j'essaye de faire un petit peu plus attention... Faut que j'arrive à avoir le réflexe de prendre mon téléphone et à regarder, voilà, quand je suis dans le magasin, pas une fois que je suis rentrée, hein, voilà, une fois que je commence à utiliser les produits. Non, il faut vraiment que j'arrive à, parce que voilà, je veux faire attention et au contenant aussi, on jette énormément et ça commence à me gaver, mais de ouf. Mais bon, voilà. Donc voilà pour les produits, voilà, que j'ai terminé dernièrement. J'en termine un peu moins. Vous pouvez voir, j'utilise moins de produits. Bah déjà, niveau corps, j'utilise un savon. Shampoing, j'ai un savon et l'autre, voilà. Ça, vu que j'alterne, ça s'utilise beaucoup moins vite. Voilà, je jette niveau nettement moins de produits hygiène qu'avant. Pareil, les dentifrices, j'en ai deux en alternance. Là, j'en utilise un d'Aldi que j'aime beaucoup. Et je crois que la compo est pas dégueulasse. Voilà, donc on verra ça lors des prochains produits terminés. N'hésitez pas à mettre en commentaire les produits que vous utilisez et que vous trouvez que la compo est bonne, voilà, et que vous en êtes satisfait. Si vous connaissez un shampoing qui est pas trop mal pour mes cheveux tout fins, tout relou, hein, et qui s'en mêle mais tellement vite. Voilà, là j'ai encore un essayer un nouveau après shampoing encore à la Biocop, mais ça fonctionne pas de ouf. Encore ce matin, je vais lui mettre une crème dans mes cheveux derrière pour démêler, parce qu'il n'y a pas, c'est nœud sur nœud, ça ne démêle pas. Enfin, l'après shampoing fait pas son boulot. Mais bon, je vais le terminer. Je vous en parlerai lors des prochains produits terminés. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ou bonne nuit. Je sais pas quand vous regarderez cette vidéo, je sais déjà même pas quand je vais la poster. Mais bon, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et j'espère que j'aurai pu ce nez dans cet état. Voilà. Donc, je vous fais plein de bisous sans les microbes. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao. Et comment je vais arrêter ça? Je sais même pas. Thank you.